Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle affaire criminelle. Alors l'affaire d'aujourd'hui, c'est le type d'histoire où, malgré la conclusion, un doute planera toujours, où l'affaire fera toujours débat. Cette affaire, elle est techniquement résolue car il y a une personne qui se trouve derrière les barreaux à ce jour, mais est-ce que la personne arrêtée et emprisonnée est-elle vraiment coupable ou est-elle innocente ? Je vous laisse faire votre propre opinion, votre propre théorie, et nous on se retrouve en fin de vidéo où vous pourrez voilà, me laisser votre avis. En attendant, je vous laisse tout de suite découvrir cette affaire. L'affaire d'aujourd'hui prend place en 1997 dans la ville d'Akron dans l'Ohio. Margot Poyd est née le 17 septembre 1956, c'est la plus jeune de ses 7 frères et sœurs. Et quand elle était jeune, c'était une excellente étudiante. Elle a fréquenté une université de médecine et elle était très intelligente et elle avait tellement d'avance sur ses autres camarades de classe qu'elle a sauté sa 5e année de médecine. Et à la fin de ses études, évidemment, elle a obtenu avec succès son diplôme de médecine. Et après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à pratiquer dans un centre médical dans la ville d'Akron. Concernant sa vie sentimentale, eh bien, elle n'a jamais vraiment eu de relation amoureuse sérieuse jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune policier du nom de Douglas Poyd alors qu'elle était à l'université. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif et ils ont immédiatement sympathisé. Ça a été en fait un véritable coup de foudre. Donc ils sont sortis ensemble et à ce moment-là, lui, il avait 29 ans et elle, elle en avait 18 ans. Ils se sont ensuite mariés quelques années plus tard, en 1979, et par la suite, ils ont eu deux filles, Kenya et Sarah. Et au moment des faits, en 1997, cela fait 18 ans qu'ils sont mariés. En 1997, Margot a donc 41 ans, elle est médecin, elle a une excellente réputation, c'est d'ailleurs un très bon médecin, elle a son propre cabinet, elle a environ 7000 patients et elle est très très appréciée de la communauté. Douglas, lui, il travaille dans la police et il monte les échelons car au moment des faits, il vient d'être promu capitaine de la police de la ville. Et lui aussi, il est très apprécié de la communauté et il est très apprécié dans son travail. Il semblait donc être un couple heureux. Tout le monde les voyait ainsi, en tout cas. Mais Margot, femme médecin, prospère, a succès, elle travaillait beaucoup et donc ça l'a éloignée petit à petit de sa famille, ce qui a mis son mariage à rude épreuve. Donc finalement, au fur et à mesure, leur relation s'est lentement éteinte et le couple a décidé de divorcer après 18 ans de mariage au début de l'année 1997. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est en fait Margot qui a décidé de mettre fin à leur relation pour une toute autre raison, ce que nous allons voir au fil de l'histoire. En tout cas, après le divorce, elle a décidé de se replonger dans de nouvelles fréquentations. C'est là qu'elle a rencontré Thomas Houston, un avocat de la ville. Nous sommes maintenant 8 mois plus tard, 8 mois après le divorce, le 26 novembre 1997 exactement. C'était une journée tout à fait banale, une journée habituelle pour Margot. Un peu avant 9h, elle a appelé une de ses collègues et amies pour lui dire qu'elle allait arriver au travail dans quelques minutes. Elle a donc pris son van et elle s'est dirigée vers son lieu de travail. Sauf que le temps est passé et on se retrouvait maintenant une heure plus tard et elle n'était toujours pas arrivée malgré le fait qu'elle l'avait prévenue plus tôt de son arrivée. Elle habite dans la ville, non loin de son lieu de travail, on a environ 10 minutes. Elle ne répondait pas non plus au téléphone, aux appels que ses collègues lui passaient, on n'avait plus aucune nouvelle d'elle. Donc c'était très étrange, que s'est-il passé? Ses collègues se sont inquiétés. Puis, vers 10h30, donc une heure et demie plus tard, une des collègues s'est rendue sur le parking du centre médical et a vu le van de Margot. Elle savait qu'elle n'était pas arrivée au travail et pourtant son van était là. Donc elle s'est approchée du véhicule. Et c'est là qu'elle a vu Margot, affalée sur le volant de sa voiture et couverte de sang.
Elle a donc aussitôt contacté la police, qui elle est arrivée sur les lieux et trouva effectivement Margot abattue. Elle n'avait plus de pouls, elle était décédée, malheureusement il était trop tard, donc elle a été déclarée morte. L'autopsie qui a ensuite été pratiquée a révélé qu'elle avait été abattue de 6 balles dans le corps. Concernant l'arme du crime, elle n'a jamais été retrouvée, mais les balles récupérées sur la scène provenaient d'un revolver de calibre 38. Margot avait aussi de nombreuses blessures défensives, dont une balle qui lui a traversé la main, ce qui voulait dire donc qu'elle s'était battue avec son agresseur. Et d'ailleurs, dans le combat, des boutons de sa blouse avaient sauté. Il y avait aussi une marque de morsure sur le bras gauche de sa blouse. Son agresseur l'aurait donc mordu à travers sa blouse et à travers son chemisier. Et élément important, seules les marques des dents inférieures de la morsure sont visibles. Retenez bien ça. Autre élément, il n'y avait pas d'empreinte digitale sur la scène, mais il y avait des fragments de tissu sous ses ongles. La nouvelle s'est ensuite rapidement répandue et tout le monde dans la communauté fut terrifié. Personne ne comprenait pourquoi quelqu'un a voulu tuer Margot, un médecin très apprécié. La première théorie des enquêteurs fut le vol qui aurait mal tourné, car en fait un bracelet en diamant a été retrouvé sur la scène, donc il a probablement dû lui être arraché durant la lutte et il est tombé là. Sauf que finalement, rien n'a été volé, absolument rien, même pas le contenu de son sac à main qui lui était toujours là et toujours intact. Et d'ailleurs, on ne tire pas non plus sur une personne 6 fois dans le cadre d'un vol, même s'il a mal tourné. Donc, hypothèse exclue, celui ou celle qui a tué Margot voulait clairement sa mort. Et la personne qui l'a tuée était forcément quelqu'un qui la connaissait. C'est quelqu'un qui savait où elle travaillait, à quelle heure elle travaillait, à quelle heure elle se rendait sur son lieu de travail, quelqu'un qui connaissait son itinéraire, donc quelqu'un qui en savait beaucoup sur elle. Sur les lieux du drame, l'ex-mari de Margot, Douglas, est ensuite arrivé. Il a été informé par la police du meurtre de son ex-femme et a donc tout de suite accouru. Et arrivé, il n'a pas pu retenir ses émotions en voyant son ex-femme. Il a commencé à sangloter et il se serait même effondré au sol. Par la suite, il a été interrogé et il a été très coopératif. Bon, il n'a pas pu travailler sur l'affaire car même si c'était un policier, c'était avant tout son ex-mari et donc un potentiel suspect. Donc, quand il a été interrogé, il a déclaré lui être au gymnase ce matin-là. C'est en fait une salle d'entraînement qui se situe à son complexe d'appartements où il vit. Et son alibi a pu être confirmé grâce à une femme l'ayant effectivement vu là-bas, ayant donc confirmé sa présence au gymnase. Les enquêteurs ont aussi effectué un test rapide de résidus de balles sur Douglas avant de le laisser partir, car s'il avait tiré, il y aurait eu forcément des résidus sur ses mains. Et son test s'est avéré négatif, donc grâce à ça et grâce à son alibi qui a pu être confirmé, il a été écarté pour le moment de la liste des suspects. Les enquêteurs ont ensuite porté leur attention sur le petit ami actuel de Margot, donc Thomas. Thomas, lui, il vivait à Columbus, à 2 heures de route de chez Margot. Donc il était à Columbus ce matin-là lorsqu'il a reçu l'appel l'avertissant du meurtre de Margot, donc à 2 heures de route du drame. Ce n'était clairement pas lui. Les enquêteurs ont ensuite décidé d'exploiter la morsure qu'avait subie Margot. Selon eux, la correspondance mènerait à l'assassin. Même si ça n'allait pas être évident pour plusieurs raisons, déjà on est en 1997, les outils scientifiques d'ADN ne sont pas encore très élaborés, d'ailleurs les analyses des tissus retrouvés sous les ongles n'ont pas été concluantes, et aussi car la marque de morsure a été faite sur 2 couches de vêtements, comme vous le savez, à travers la blouse et à travers son chemisier, donc cette morsure n'était pas non plus très précise en elle-même, il y avait moins de détails. Malgré tout, ils ont fait des empreintes dentaires de toutes les personnes liées à Margot pour les comparer par la suite à la morsure. La famille, les amis, les collègues, son ex-mari Doug, toutes les connaissances de Margot ont dû faire une empreinte dentaire. Et nous allons revenir plus tard aux résultats des comparaisons faites, car dans l'attente, car c'est une attente de quelques semaines environ, mais avant ça, un rebondissement a eu lieu seulement une semaine après le drame. Le 3 décembre 1997, la police a reçu une lettre anonyme selon laquelle la meilleure amie de Margot, Denise, l'avait assassinée et que son mari était aussi impliqué.
En tout cas, cette Denise aurait été l'entremetteuse entre Margot et son nouveau compagnon Thomas, celle qui les a fait se rencontrer. Donc au début, elle était heureuse quand le couple a officialisé les choses, sauf qu'au fur et à mesure du temps qui passait, bizarrement, elle est devenue jalouse, elle est devenue rancunière de la relation entre Margot et Thomas. Elle avait même l'idée de fuir le pays pour éviter de les voir ensemble. Par la suite, la police a reçu d'autres appels de personnes qui pointaient aussi cette Denise dans le meurtre de Margot Pride. Et la police a donc finalement interrogé cette personne. Elle est accompagnée de son mari qui lui était également visé par la lettre. Mais pour les enquêteurs, il était peu probable qu'elle soit impliquée. Pour eux, quelqu'un a essayé de la piéger, elle et son mari. Tout simplement pour détourner les enquêteurs du véritable tueur. Et Denise a aussi été coopérative, elle a accepté de faire une impression de ses dents pour la comparer aussi à la morsure. Donc au final, était-elle vraiment jalouse? Est-ce que tout ce qui est dit sur elle est vrai? Ou est-ce que le véritable tueur essayait-il simplement de piéger quelqu'un d'autre? En tout cas, pour les enquêteurs, rien ne servait de la retenir, ce n'était pas la coupable. Les enquêteurs étaient donc de nouveau revenus au point de départ. Et c'est là qu'ils ont décidé de visionner les caméras de surveillance placées autour du cabinet médical. Il y avait en fait un concessionnaire de voitures dont la caméra était placée face au parking du cabinet médical, donc c'était génial, il suffisait de la visionner et espérer y trouver des éléments. Bon, finalement, la caméra de surveillance n'a pas été d'une grande aide, car l'image était floue et elle était trop éloignée pour révéler des détails. Mais bon, on voit une silhouette, on voit une personne, mais les images restent granuleuses, donc on ne peut faire aucune identification. Pour autant, cette caméra, elle a quand même fourni des éléments, dont la chronologie des faits. Donc, on peut voir une personne sortir d'une petite voiture de couleur claire, s'approcher du van de Margot, y entrer par le côté passager, puis partir 2 minutes après. Elle a donc été tuée entre 9h10 et 9h12 en l'espace de 2 minutes seulement. Et la voiture de Margot disposait aussi d'un dispositif de sécurité, c'est-à-dire que ses portes se verrouillent automatiquement. Et donc pour les enquêteurs, ce fait prouve à nouveau qu'il s'agit en fait d'un proche de Margot qui a commis le meurtre. Car soit la personne avait un double des clés, pour être entré dans la voiture comme ça naturellement, soit Margot a dû déverrouiller les portes en voyant la personne approcher. Comme c'est un proche, une personne qu'elle connaît, elle n'a vu aucune menace et elle a donc naturellement déverrouillé ses portes car dans la vidéo de surveillance, on voit la personne entrer alors que ses portes, normalement, elles sont verrouillées. La police a ensuite fouillé, perquisitionner le domicile de Margot dans l'espoir de trouver des indices et a trouvé un magnétophone dans son garage et en fait le magnétophone était connecté à son téléphone afin que chaque appel qu'elle reçoit soit enregistré. Donc c'est quand même bizarre, pour la police c'est étrange, pourquoi enregistrait-elle ses appels téléphoniques, les appels de ses patients, les appels de sa famille? Son ex-mari Douglas a alors été interrogé à ce sujet car il avait vécu plusieurs années avec, il devait donc probablement savoir pourquoi elle faisait ça. Et lui, il a dit qu'elle recevait en fait de nombreux appels téléphoniques de ses patients tout au long de la journée. Elle avait donc trouvé plus pratique d'enregistrer plutôt que de prendre des notes. De cette façon, si un patient disait des choses spécifiques à prendre en compte, comme des informations importantes, au moins elles étaient automatiquement enregistrées. La police a alors pris ce magnétophone et a décidé d'écouter les conversations afin de trouver des éléments, des indices. Et mis à part les conversations de ses patients, il y avait aussi des conversations téléphoniques personnelles entre Margot et ses amis. Et dans ces conversations, un nom ressortait souvent. Une femme du nom de Carla Smith. Et Margot parlait en négatif de cette femme. Les enquêteurs ont trouvé facilement qui était Carla Smith, tout simplement parce qu'elle travaillait dans la police. C'était une collègue de Douglas. Et il y avait des rumeurs au poste de police selon lesquelles cette Carla et Douglas avaient une liaison. Les enquêteurs ont alors fouillé le domicile de Carla et ont confirmé que Douglas et elle avaient une liaison alors que lui était encore marié à Margot. Les enquêteurs se demandèrent alors à ce moment-là s'il aurait été possible que Carla ait tué Margot pour l'éliminer de la vie de son amant, ou est-il possible sinon que Carla et Douglas à deux aient échafaudé un plan pour être ensemble. Ils l'ont alors interrogée et le jour du drame, elle était bien au travail.
Elle est arrivée à son lieu de travail vers 8h30 ce matin-là, mais la police n'a pas pu retracer ce qu'elle faisait dans son bureau pendant les 2 heures suivantes, jusqu'à ce qu'elle réponde à un appel concernant le meurtre de Margot vers 10h30. Mais de 8h30 à 10h30, on n'a en fait aucune information, on n'a aucune trace d'elle. Est-ce que ses collègues l'ont vue? Était-elle vraiment présente au bureau? Y a-t-il des preuves sur son ordinateur prouvant qu'elle était bien là, qu'elle faisait quelque chose? Mais bon, malgré tout, elle a été exclue de la liste des suspects. Et toujours via ce magnétophone, ils ont entendu 2 autres enregistrements. L'un d'un homme qui disait « test 1, 2, 3 » et un autre entre Douglas et Margot. Et c'était une conversation très tendue, très houleuse à propos des enfants. Et ces 2 enregistrements, pourquoi je vous en parle? Eh bien en fait, ils ont prouvé 2 choses aux enquêteurs. Première chose, après leur divorce, la relation était très tendue entre Douglas et Margot, alors que lui, en fait, il avait toujours affirmé aux policiers qu'après leur divorce, ils étaient restés en bons termes, qu'ils avaient une très bonne relation, alors que l'enregistrement qu'ils ont écouté était tout sauf affectueux ou gentil. Et la seconde chose, eh bien en fait, le magnétophone n'appartenait pas à Margot, mais à Douglas. Margot n'enregistrait absolument pas les conversations avec ses patients. C'était son ex-mari qui avait mis ses téléphones sur écoute pour écouter ses appels téléphoniques pour l'espionner. Et d'ailleurs, dans un appel entre Margot et sa mère, elle lui a dit qu'elle pensait qu'il mettait les téléphones sur écoute. Donc, ces éléments prouvent que Douglas avait menti de nombreuses fois au cours de cette enquête. Il avait une liaison avec une collègue, il mettait ses téléphones sur écoute et il avait menti sur sa relation avec son ex-femme où il n'entretenait absolument pas de bonne relation. Par la suite, la police a étudié les finances de Douglas et il a été révélé qu'il était très endetté depuis son divorce. Lorsqu'il était encore marié à Margot, il menait en fait un style de vie assez somptueux, mais qui était principalement couvert par sa femme. Alors lorsqu'ils se sont séparés, cela a signifié qu'il ne pouvait plus continuer le style de vie qu'il menait. Il avait donc commencé à cumuler des dettes après le divorce et Margot avait une assurance vie de 75 000 dollars dont le seul bénéficiaire était Douglas. Et d'ailleurs, un bordereau de dépôt de 75 000 dollars a été trouvé dans la maison de sa maîtresse Carla. Donc, aurait-il pu la tuer pour cet argent, pour l'argent, pour les finances qui lui manquaient, sachant aussi que le drame a eu lieu seulement 7-8 mois après leur divorce. Mais bon, d'après lui, ces 75 000 dollars auraient simplement servi pour les frais funéraires, auraient servi pour les frais universitaires pour les enfants et aussi pour couvrir les propres dettes de Margot. Mais bon, je n'ai trouvé aucun élément que Margot était effectivement endettée. En tout cas, les doutes ont donc commencé à se retourner vers son ex-mari Douglas. Ils ont alors décidé de réenquêter sur lui, de revérifier son alibi et ont essayé d'en savoir encore davantage sur lui, sur son comportement, sur le couple qu'il formait avec Margot. Donc, pour commencer, concernant son alibi, les enquêteurs ont alors interrogé une seconde fois la femme ayant confirmé l'alibi de Douglas et elle a confirmé qu'il était au gymnase de 9h30 à 10h le matin du meurtre. Alors que le meurtre, rappelez-vous, a eu lieu bien avant, à 9h10, donc son alibi ne tient plus la route. Ensuite, concernant le test de résidus d'armes à feu effectué sur Douglas, qui était négatif, eh bien en fait, il s'est avéré erroné. Il y avait en fait eu une erreur avec le test, car celui-ci avait été mal fait, donc forcément, maintenant, ça l'a rendu non valide. Ensuite, concernant les résultats des empreintes dentaires, eh bien ils sont arrivés et ont confirmé que les dents de Douglas correspondaient. L'empreinte dentaire serait la sienne. Et à savoir, écoutez bien, Douglas porte une prothèse, il porte un dentier pour ses dents supérieures. Donc, ses dents supérieures n'étant pas ses dents naturelles, elles sont moins rigides, elles bougent, il peut les enlever à son souhait. Et la morsure, comme vous le savez, elle correspond uniquement aux dents inférieures. Donc, tout concorde. Ça explique la morsure, le fait que sa prothèse l'a empêché de laisser une marque. L'empreinte est déjà une grosse preuve l'accusant, mais d'autres éléments ont ensuite continué à l'accuser. Déjà, plusieurs personnes ont déclaré que Margot leur avait dit qu'elle avait peur de son mari, qu'elle ne se sentait pas en sécurité alors qu'ils étaient encore mariés.
et il s'est avéré que Margot avait demandé le divorce après avoir découvert qu'il l'a trompée avec plusieurs femmes. Il n'y avait pas en fait que Carla, il y avait aussi d'autres femmes. Mais lui, il ne voulait pas divorcer, il ne voulait pas quitter la maison, il a donc refusé de signer les papiers du divorce et il est donc resté là, au domicile conjugal pendant plusieurs mois après qu'elle ait demandé le divorce, même si Margot s'y opposait. Elle a alors changé toutes les serrures, elle a fait installer un système d'alarme dans la maison, mais lui, il utilisait la clé de sa fille pour entrer dans la maison. Finalement, le tribunal a donc dû intervenir et accorder le divorce à Margot et elle a eu la garde de leurs deux filles. Ensuite, il utilisait aussi souvent, et sans autorisation, le van de Margot. Il avait donc probablement un double des clés. Il confrontait aussi Margot à propos de son nouveau petit ami, Thomas, et elle a donc demandé à la fin une ordonnance de protection contre Douglas, car il l'a menacé, il l'a harcelé. Il aurait aussi apparemment engagé un enquêteur privé pour la suivre. Il aurait aussi passé un test polygraphique auquel il a échoué. Bon, après ça, c'est pas vraiment un outil très fiable. Mais bon, les enquêteurs avaient là un dossier solide contre Douglas Praed. Puis, un jour, un témoin oculaire s'est manifesté, s'est présenté à la police et a témoigné en identifiant Douglas sur une série de photos comme étant la personne qu'il avait vu sortir du parking du cabinet médical au moment du meurtre. Donc ce témoignage a placé Douglas sur les lieux du meurtre au moment du meurtre. Et ce témoin a dit qu'il ne s'était pas en fait manifesté plus tôt parce qu'il avait peur et il savait que Douglas était un policier. Et finalement, avec ce dernier témoignage, il a officiellement été inculpé et arrêté le 23 février 1998 pour meurtre, soit 3 mois après le drame. Et à savoir aussi que comme il était dans la police, qu'il était le capitaine, ses collègues, eux, entre eux, étaient divisés. Donc certains croyaient qu'il était impliqué, d'autres croyaient fermement qu'il était innocent. Et du coup, les officiers qui étaient du côté de Douglas auraient eux rendu le travail des détectives difficile en cachant des documents d'enquête. Son procès a eu lieu en 1998. Lors du procès, la défense a fait valoir le manque de preuves physiques et de traces ADN. Ils ont affirmé que Douglas ne pouvait pas provoquer une morsure aussi profonde car il avait en fait un désalignement de la mâchoire et que ses prothèses dentaires supérieures n'étaient pas correctement ajustées et donc il n'a pas le pouvoir de mordre assez fort pour laisser une telle marque. Ils ont d'ailleurs fait appel à un expert qui a déclaré qu'effectivement les dents de Douglas Praed ne correspondaient pas. Ensuite, la défense a fait appel à deux témoins déclarant qu'il était bien au gymnase au moment du drame, mais l'accusation, elle, a allégué que Douglas avait tué sa femme pour des raisons financières, car c'était son soutien financier, qu'il était très endetté après le divorce et donc qu'il voulait obtenir les 75 000 dollars d'assurance vie. Il est donc allé la retrouver sur son lieu de travail, il l'a mordu dans le combat et puis il lui a tiré dessus. Il s'est ensuite débarrassé de ses vêtements et il est allé au gymnase, créant alors son alibi. L'accusation a ensuite fait appel à deux témoins le plaçant sur les lieux du crime, a ensuite fait appel aussi à un dentiste, Dacron, c'est un dentiste qui est à la retraite et qui s'appelle Thomas Marshall, et on lui a demandé de comparer une photographie de la morsure à une empreinte dentaire des dents inférieures de Douglas. Et selon le docteur Marshall, la seule personne qui aurait pu mordre Margot Praed était son ex-mari. L'accusation a malgré tout fait appel à un autre expert qui a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen d'être certain que Douglas ait fait cette marque de dents, mais que ses dents inférieures malgré tout correspondaient le mieux. Donc, comme vous le voyez, ce procès est quand même assez flou. Deux personnes le mettent sur le lieu du crime, tandis que deux autres personnes le placent au gymnase. Concernant la morsure, eh bien pareil, c'est flou. Personne ne peut réellement confirmer et déterminer l'ADN de la morsure. Mais bon, le témoignage du dentiste, lui, a eu un gros poids dans ce procès. Et Douglas Praed a ensuite pris la parole, il a témoigné, il a en fait essayé de démonter tous les éléments de l'accusation. Par exemple, il a déclaré qu'effectivement, il avait enregistré les appels téléphoniques de Margot, mais il a déclaré que c'était elle qui voulait que ses appels avec ses patients soient enregistrés. Il a aussi déclaré qu'il était resté au domicile après le divorce, car Margot ne lui avait jamais demandé de partir. Bon, évidemment, ce n'est pas très crédible, vu qu'elle avait peur de lui,
Mais malgré tout, il a plaidé non coupable et il a maintenu son innocence jusqu'au bout. Mais après 2 semaines de procès et 4 heures de délibération, il a été reconnu coupable de son meurtre et coupable aussi d'écoute téléphonique, et il a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération après 26 ans de prison. Et c'est en 2013, après 15 ans de prison, qu'un rebondissement a eu lieu dans cette affaire. Les avocats de Douglas et aussi l'Ohio Innocence Project ont ordonné des tests ADN de la morsure, de la blouse de laboratoire et des tissus sous les ongles de Margot Pride. En réalité, plusieurs demandes d'analyse ADN avaient en fait été demandées au fil des années par Douglas et par ses avocats, mais leurs premières demandes avaient toutes été refusées. Puis c'est finalement qu'un nouveau test ADN a été effectué sur la morsure, soit 15 ans plus tard, avec des nouvelles technologies, avec des méthodes nouvelles, améliorées, beaucoup plus précises. Car en 1997-98, voilà, les technologies ADN existantes étaient assez limitées. En tout cas, ces nouveaux tests ADN ont finalement conclu que l'ADN de la morsure n'était pas celui de Douglas Poed, ni l'ADN sous les ongles, ni l'ADN sur la blouse. Donc, gros rebondissement dans l'affaire, car tout ce qui tient cette enquête, le seul élément médico-légal dont l'on dispose et le facteur clé de sa condamnation, c'est cette morsure. Et lors de l'analyse, 2 profils ADN masculins ont été détectés, mais aucun des deux n'appartient à Douglas Poed. Mais après, l'ADN sur la blouse n'est pas forcément l'ADN non plus du tueur. Peut-être c'est l'ADN d'un patient. Et donc, c'est le 29 janvier 2013, alors qu'il est âgé de 65 ans, il a été libéré de prison, grâce à cette preuve ADN qui prouvait donc son innocence. Et les preuves restantes dans l'affaire n'étaient-elles pas suffisantes pour le condamner pour meurtre? Le divorce litigieux, les écoutes téléphoniques ne peuvent pas prouver en fait sa culpabilité. C'est grave, mais ça ne prouve pas que c'est le meurtrier. En tout cas, il était libre, mais sa liberté n'a duré que quelques mois. Car l'accusation s'est en fait opposée à sa libération et a déposé donc une requête devant le tribunal. Sur plusieurs motifs, que cette nouvelle analyse était peu fiable, que la morsure n'appartenait finalement peut-être pas au tueur, qu'elle avait peut-être été faite avant le meurtre. L'accusation a aussi indiqué qu'il y avait les autres preuves, que la morsure, indiquant donc que c'était quand même lui le tueur, donc le fait qu'il l'a harcelé, qu'il enregistrait ses appels téléphoniques, environ 400 appels personnels ont été enregistrés, qu'il l'avait agressé, menacé verbalement, que Margot avait peur de lui, les témoins aussi qui l'ont placé sur les lieux du meurtre, l'argent de l'assurance vie. Donc finalement, Douglas a été renvoyé derrière les barreaux quelques mois plus tard, à la fin de l'année 2014. Aujourd'hui, en 2021, il clame toujours son innocence depuis donc 24 ans exactement. Il a aujourd'hui 75 ans et il sera éligible à la libération conditionnelle en août 2025. Il a fait appel de sa condamnation plusieurs fois, en 2017 et en 2019, sur le motif donc que son profil ADN ne correspondait pas à la morsure, et tous ses appels ont été rejetés, tout simplement car pour le tribunal, il n'a pas présenté de nouvelles preuves que le jury n'avait pas déjà été pris en compte. Donc ses appels ont été rejetés et il a épuisé tous ses recours, il reste désormais toujours en prison. Concernant les 2 filles de Margot et Douglas, donc Kenya et Sarah, elles ont toujours soutenu leur père. Pour elles, il aurait été incapable de faire ça. Kenya Pred, elle avait 12 ans au moment du drame et ensuite elle a exercé comme infirmière et a vécu à Dallas. Elle a eu une fille et Sarah, elle est devenue chanteuse et elle vit à Las Vegas. Mais en juillet 2019, au Texas, un nouveau drame a frappé la famille Pred. Kenya, 34 ans, est décédée après avoir lutté contre une longue maladie. C'en est terminé pour cette affaire. Honnêtement, en la lisant, parfois je croyais en son innocence, parfois non, mais le fait d'apprendre qu'uniquement la marque des dents inférieures ont été laissées m'ont un peu plus poussé vers sa culpabilité. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.